Ja, ganz außergewöhnlich im Marmorsaal. Herzlich willkommen im Gorki. Wir haben nicht zu diesem Anlass etwa Maxim Gorki hier als Büste Ihnen hingestellt, sondern dieser befindet sich ebenso wie Heine seit 1947 hier. Seitdem sind auch ganz auf die Schnelle ein paar Herren vor allem und nur zusammengekommen, die einen Streifzug durch deutsche Kunst- und Literaturgeschichte genauso ermöglichen, mit Schiller, Goethe, den wir hier haben, wie auch durch die russische. Auch Tschaikowski ist hier, Puschkin ist hier, Tolstoi ist hier, Dostojewski ist hier, Balzac, Beethoven, Bach und andere. Eine illustre Mischung, die schnell nach dem Zweiten Weltkrieg hier aufgetragen wurde von den Russen, die das Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft hier begründeten. Ansonsten hat es eine illustre Geschichte seit 1751. Es war lange Zeit ein preußisches Finanzministerium und unter Politz, auch noch preußischer Finanzminister, war es so, dass hier Hitler und Hindenburg als Büste standen, 1935. Also tatsächlich ein Saal, der Geschichte atmet und durchaus in seiner Eklektik vielleicht zum Denken und Mitdenken und Sprechen anregt. In diesem Sinne freue ich mich außerordentlich, dass wir trotz Um- und Einbauten im Gorki in diesem Saal heute uns treffen zur Eröffnung der dritten Berliner Korrespondenzen. Ich freue mich sehr, dass Esra Küçük den Abend moderieren wird, die wir schmerzlich am Gorki vermissen in der Leitung, die jetzt sich Aufgaben der Kulturstiftung Allianz widmet und heute Abend moderieren wird. Ich danke sehr herzlich Andreas Görgen, der nicht nur Förderer, sondern Initiator und Co-Kurator auch dieser Reihe ist, und Jan-Henrik Olwert. Schön, dass es weitergeht, schön, dass ihr da seid, und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder die schönsten, besten, tollsten Möglichkeiten aufgemacht habt und uns heute Abend, Herrn Enar und Herrn Bashir Diagne, hierher geholt habt. Vielen Dank dafür und Ihnen allen mit genau diesen beiden Menschen viel Vergnügen. Das ist ja eine sehr deutsche Veranstaltung, deswegen geht es nicht unter zwei Grußworten. Guten Abend, meine Damen und Herren, Andreas Görgen. Ich darf auch im Namen von Esra und im Namen von Jan-Henrik Ihnen vielen Dank sagen, dass Sie in diesen etwas stickigeren Raum heute gegangen sind und die nächsten anderthalb Stunden mit uns verbringen. Jetzt haben wir den Durchgang durch die Geschichte gemacht, aber vielleicht ein Zitat von Gorki noch zur Erinnerung. Nicht im Kopf, sondern im Herzen liegt der Anfang. Und dieses Zitat ist auch so ein bisschen unser Leitspruch für das, was wir in den vergangenen drei Jahren versucht haben, mit Ihnen zusammenzumachen, nämlich einen Ort zu finden, an dem zwischen Politik, Kultur und Wissenschaft Raum dafür entsteht, mit dem Herzen zu begreifen, warum unsere Überlegungen von Ordnung in der Welt für Unordnung in der Welt gesorgt haben und wieder selbst kritikfähig zu werden. Und deswegen ist mir eine ganz besondere Freude, die diesjährige Saison mit Matthias Enar und mit Süleyman Bashir Diagne zu eröffnen, die beide auf ihre Weisen Lehrer sein können, das Herz zu öffnen und den Kopf nicht zu verschließen. In diesem Sinne einen schönen Abend. Doch ganz undeutsch, so kurze Begrüßungsreden. Ich war gerade dabei, meinen Stift noch zu zücken. Schon stehe ich auf der Bühne. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von mir zu der Eröffnung der dritten Reihe der Berliner Korrespondenzen. Und es ist immer speziell, von daher finde ich es ganz speziell, dass wir heute im Marmorsaal eröffnen. Herzlichen Dank, Shermin, für deine begrüßenden Worte hier. Ich hoffe, es wird nicht weitere 80 Jahre dauern, bis auf diesen zwei Büsten zwei Frauenköpfe sind. Vielleicht können wir alle zusammen, die wir hier sitzen, daran arbeiten, dass wir hier sehr bald wieder zusammenkommen und das hier haben. Ja,
Andreas hat es schon angedeutet. Wir haben, als wir vor 3,5 Jahren diese Reihe hier begonnen haben, ganz bewusst gewählt, dass wir sie an diesem Ort machen, dass wir sie im Theater, an einem kritischen Ort machen, in einer Zeit, in der wir den Eindruck haben, dass Politik teilweise in eine Situation des, der Ende der Möglichkeiten kommt und dass wir darum gesagt haben, wir machen eine ganz komische Allianz, eine ganz neue Allianz zwischen Theater, Kunst und Kultur, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Und ich wollte Ihnen eigentlich heute so eine große Einleitung machen und das alles erklären, aber das mache ich nicht, weil es viel besser ist. Als ich hier gerade reingekommen bin, habe ich von Melly Kiak, Autorin, und hier am Haus ist die Hauskolumnistin, das gibt es hier am Maxim Gorki Theater, die hat hier in ihrer jetzigen Kolumne, die vor 2 Tagen erschienen ist, Sie können die sozusagen alle, ich sehe, Katja hat sie sogar schon geschnappt, hallo Katja, und Melly hat aufgeschrieben, warum wir das eigentlich hier machen, ohne das zu wissen, dass ich das heute hier vorlesen werde. Wenn ich ein bisschen Licht habe. So. Melly schreibt, es ist und bleibt die Leitfrage an den eigenen Beruf. Was kann Kunst? Muss sie überhaupt etwas können? Ich habe mich mit dieser Frage in unterschiedlichen Kontexten beschäftigt. Zuletzt sehr intensiv auf den beiden europäischen Schriftstellerkonferenzen 2014 und 2016, die ich gemeinsam mit meinem Autorenkollegen Antje Ravi-Strubel, Nicole Lubitsch, Tillmann Spengler sowie dem damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Berlin organisierte. Kurze Parenthese, Steinmeier hat mit uns diese Reihe zusammen gegründet, darum passt es jetzt wunderbar, aber jetzt geht's weiter. Ich habe und tue es noch an die Macht der Literatur geglaubt, aber nicht in dem Sinne, dass sie unmittelbar in Politik eingreifen könnte, was ja doch eine vergleichsweise profane Wirkung hätte, sondern dass sie etwas viel Größeres kann. Musik, Bilder und Literatur bewirken die Bewegung des Geistes. Dem Handeln des Menschen geht das Denkbare voraus. Er bewegt sich immer im Rahmen der eigenen Vorstellungskraft. Nur wer in der Lage ist, sich in etwas hineinzudenken, kann das eigene verlassen und dorthin gelangen. Genau das wollen wir mit dieser Reihe tun. Und genau um das tun zu können, bin ich so froh, dass wir diese dritte Reihe mit genau diesen 2 Menschen eröffnen, mit Süleyman Bashir Diagne und Matthias Enar, die beide aus unserer Sicht nomadische Geister sind, die jeweils aus ihren Disziplinen heraus die Entgrenzer par excellence sind. Darum passt es wunderbar, dass der Titel unserer dritten Reihe Unordnung, also Ordnung und Unordnung im entgrenzten Europa heißen. Und ich möchte Sie ganz herzlich mit einem warmen, und warm ist es hier heute Abend, Applaus begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Ich würde euch beide zu mir auf die Bühne bitten, damit ich euch einmal vorstellen kann und alle euch auch wirklich sehen können. Schön, dass ihr da seid. Je te prends ici. Et vous ici. Ja, ich stelle sie Ihnen erstmal vor, meine Damen und Herren. Zu meiner Rechten, à droite, von Ihnen aus zu meiner Linken, haben wir den Philosophen Süleyman Bashir Diagne. Was ich so spannend an ihm finde, ist, er verknüpft in seinen Texten auf beeindruckende Weise unterschiedliche Kategorien, Marxismus mit islamischer und christlicher Spiritualität. Er beschreibt afrikanische Plastik als Philosophie. Er entwickelt postkoloniale Theorien aus den Werken französischer Philosophen. Er verwebt Konzepte, die in der Regel meist aus der hiesigen Perspektive vielleicht exklusiv verwendet werden. Die sozialistische Idee, die islamische Spiritualität, westliche Aufklärung, postkoloniales Denken.
Was ich mir heute aus dem Gespräch mit ihm erhoffe, ist, dass durch das, wie er uns zeigt, wie man diese Konzepte zusammenbringen kann, dass wir darüber sprechen können, wie man binäre Denkmuster und in den Zeiten, in denen wir gerade leben, wo wir den Eindruck haben, dass es ein großer Wunsch oder ein Begehren nach Vereinfachung gibt, wie man dem eigentlich entgegensetzen kann und wie wir aus diesem, was Sie so zusammenbringen, aus den verschiedenen Konzepten lernen können. Was zu meiner Traurigkeit, aber ich bin froh, dass ich ein bisschen der französischen Sprache mächtig bin, weil seine Bücher sind bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Enquête d'Afrique, eins seiner letzten Bücher. Vielleicht werden wir auch darüber heute sprechen, indem er den universalistischen Charakter des dekolonialen Denkens uns aufzeigt. Er ist gestern aus New York zu uns gekommen, wo er den Lehrstuhl für Französisch und Romanistische Philologie an der Columbia University innehat. Herzlich willkommen, soyez le bienvenu, merci d'être ici. Ja, ich übertreibe nicht, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt hier zu meiner Linken gucke und von Ihnen aus zu meiner Rechten und sage, der Schriftsteller Matthias Henard ist eine der wichtigsten Stimmen der französischen Gegenwartsliteratur. Er hat Kunstgeschichte und orientalische Sprachen studiert, was man, finde ich, in seinen Romanen auch sehr schnell merkt. Er setzt sich darin mit den Sehnsüchten und Hoffnungen und auch ein bisschen mit dem Weltschmerz Europas auseinander. In seinem, ganz schön viele Bücher hier auf unserem Tisch, in seinem Roman Kompass, den vielleicht die ein oder andere gelesen hat, im Original Boussole, wo es um eine Liebe zwischen Franz, dem Musikwissenschaftler, und Sarah, der Orientalistin, geht. Für dieses Buch hat Ena 2015 den Prix Goncourt bekommen und 2017 auf der Leipziger Buchmesse den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung. Und hier drin wird ganz gut so sein, würde ich mal sagen, seine Faszination deutlich zwischen auf der einen Seite der großen Faszination und der Ablehnung, die es zugleich in diesem Verhältnis gibt zwischen Orient und Okzident. Ich würde sagen, es gibt wenig Schriftsteller, die so innig die Verbundenheit westlicher Geistes- und Kunstgeschichte mit islamischer Philosophie und Kultur aufgehen lassen. Sohn, ich habe zwei Bücher rausgesucht, über die wir vielleicht heute Abend sprechen können und die was mit unserem Thema Europa zu tun haben. Sohn, 2008 erschien, erzählt in einem einzigen Satz über diese 500 Seiten die jüngere Geschichte und Vergangenheit Europas als eine Folge von Krieg und Vertreibung. Matthias Henard ist heute zu uns gekommen aus Barcelona, wo er jetzt lebt. Davor habe ich mir mal aufgeschrieben, wo du alles lebtest, in Damaskus, Beirut, Teheran, Rom und Paris. Jetzt in Barcelona lebt und arbeitet er, unterrichtet Arabisch und da muss ich unbedingt mal vorbeikommen, betreibt ein libanesisches Restaurant. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Merci d'être venu. Kochst du auch noch manchmal? Nein, schade. Gut. Meine Damen und Herren, wir haben einen deutsch-französischen Abend. Wir werden jetzt in den Sprachen hin und her switchen. Für alle, die eine Übersetzung brauchen, haben Sie die Kopfhörer. Ich sehe aber, die meisten von Ihnen haben sich die schon besorgt. Das Format besteht darin, dass wir einen Impuls haben und eine Replik, eine Antwort darauf folgt. Süleyman Bachir Diagne wird uns jetzt in seinem Impuls seinen Beitrag für heute Abend mitbringen, über den wir dann im Anschluss diskutieren. The floor is yours. Bonsoir.
Je commencerai par exprimer un regret et ma gratitude. Le regret, c'est de ne pas pouvoir parler la langue de Goethe. Ça aurait été tellement plus simple. Mais ayant déjà goûté à la traduction, je sais que ce sera parfait et que vous oublierez très vite que je ne parle pas allemand grâce à nos traductrices que je remercie. Et comme j'ai commencé à remercier, je voudrais exprimer ma gratitude à Andreas, à Esra, à Alliance, à tous ceux qui ont permis que je puisse être ici et que je puisse m'adresser à vous. On m'a dit alors sur le sujet de ton choix. Alors, ayant eu le choix, je me suis dit, si on a le choix dans la période que nous vivons, le meilleur sujet dont il faut traiter, c'est le socialisme, évidemment. Alors, je décidais donc de vous présenter rapidement un point sur la finalité éthique du socialisme, qui est un aspect de mon travail. Et en disant cela, j'inscris mon propos dans le cadre de la réflexion qui se mène aujourd'hui sur la question du renouveau du socialisme. Vous savez par exemple qu'ici en Allemagne, c'est le titre que celui qui est devenu maintenant mon collègue à Columbia, Axel Honneth, a donné à son livre. Alors moi je l'ai lu en anglais, j'imagine que c'est une traduction littérale de l'allemand, « The idea of socialism towards a renewal », l'idée du socialisme vers un renouveau. Et je voudrais rappeler que son livre tient en une proposition, il s'agit pour lui de sortir le socialisme de son enfermement et de sa pétrification dans ce qu'il appelle, je le cite, « la structure intellectuelle dépassée qui est l'esprit et la culture de l'industrialisme ». Alors, j'ajoute pour ma part à industrialisme, matérialisme également, et je veux soutenir ici, premièrement, qu'une condition pour cette sortie de la pétrification du socialisme, c'est la reconnexion de ce courant de pensée à la force éthique et spirituelle qui a été à son origine. Et deuxièmement, je voudrais soutenir que l'on peut trouver dans ce but une inspiration chez ceux qu'on a appelés les penseurs du socialisme africain, en particulier Julius Nyerere, le Tanzanien, et Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, mon propre compatriote. Et justement, ces penseurs du socialisme ont pour eux, selon le vœu formulé par Axel Honneth, d'avoir premièrement insisté sur la nécessité de libérer l'idéal socialiste de l'esprit et de la culture de l'industrialisme, et également de l'eurocentrisme. Et deuxièmement, ils ont insisté sur la nécessité de ne jamais perdre de vue le fait que le socialisme est d'abord et avant tout une insurrection éthique poursuivant une finalité éthique, et enfin, c'est un humanisme. Voilà donc le propos que je voudrais rapidement présenter pour nos discussions. Alors, sur le premier point, je voudrais rappeler que les démissions de Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, du Parti Socialiste Français, la SFIO, en 1948, et de son complice de toujours en négritude, le Martiniquais Aimé Césaire, du Parti Communiste Français, s'était constitué précisément une réponse à ce qu'ils considéraient tous les deux comme à la fois l'industrialisme et l'eurocentrisme, deux idées qui étaient réunies dans la notion que la libération viendrait de la seule classe universelle qui est le prolétariat européen. En disant prolétariat, vous indiquez qu'il s'agit d'industrialisme, et en disant qu'il est européen, vous affirmez que la seule scène de l'histoire universelle ne peut se trouver qu'en Europe. C'est d'ailleurs le propos que qui a été tenu par Sartre lorsqu'il a présenté les penseurs de ce courant de pensée appelé la négritude. Vous savez, cette insurrection des peuples colonisés noirs, africains et caribéens, qui s'est appelée la négritude. Et lorsque, en 1948, le premier livre avec cette indication de la négritude est paru, qui est une anthologie de poésie produite par Léopold Sédar Senghor, Sartre en a proposé une préface.
Et dans la préface, il dit deux choses. Une chose positive qui consiste à dire que les poètes de la négritude ont produit la seule grande poésie révolutionnaire de notre temps. Et la deuxième chose qui était moins positive, c'était de dire, bon, ils ont exprimé l'idéal de libération en poésie, mais quand il s'agira d'une vraie libération et de l'émancipation, seul le prolétariat, qui est la classe universelle, et donc le prolétariat européen, apportera l'émancipation et l'apportera à tous. C'est-à-dire donc que Sartre faisait leur accorder en quelque sorte une sorte de baiser de la mort, leur donnant d'un côté ce qu'on appelle l'agency, l'agentivité, un mot extrêmement laid en français évidemment, mais bon, c'est la mode, l'agentivité révolutionnaire, poétique, en même temps qu'il leur enlevait l'agentivité révolutionnaire. Et on se souvient que la réponse à cette manière de voir de Sartre viendra précisément d'Aimé Césaire lorsqu'en 1956, il écrit une tonitruante lettre de démission du Parti communiste français intitulée « Lettre à Maurice Thorez ». Alors, 56, évidemment, il y avait tous les événements qui pouvaient expliquer que les intellectuels se tirent du Parti communiste. Il y avait en plus, pour lui, cette notion qu'au fond, l'universalisme porté par la gauche ne valait pas mieux que l'universalisme porté par la droite. Parce que ces deux universalismes, même s'ils étaient contraires l'un de l'autre, s'accordaient tous les deux à penser que l'universalisme était l'incarnation de la seule culture européenne et ne pouvait se passer que sur la scène historique européenne. Comme le disait Césaire, de ce point de vue, le fraternalisme socialiste ne valait pas mieux que le paternalisme colonial. Ce qui était important ici, la raison pour laquelle je parle de cela, c'est que il n'y a pas là un refus de l'universalisme. Esra, vous m'avez gentiment présenté comme l'un des penseurs de ce que l'on appelle aujourd'hui le postcolonial ou le décolonial. Ce qui me sépare de beaucoup d'auteurs postcoloniaux ou décoloniaux, c'est que je crois, moi, pour ma part, aussi à l'universel. Autrement dit, il ne s'agit pas en disant qu'on se débarrasse de l'universalisme, tel que je viens de le décrire rapidement, de se débarrasser également de l'universel. L'universel doit rester notre visée et on ne peut pas penser une force spirituelle du socialisme sans avoir en même temps une visée de l'universel. Mais à la condition, cependant, de penser un véritable universel, ou bien, pour le dire dans les termes de quelqu'un qui malheureusement vient de nous quitter, et c'est l'occasion de lui rendre hommage, Immanuel Wallenstein, un universel vraiment universel. Il s'agissait pour Césaire de ne pas s'emmurer dans le particularisme, mais de ne pas non plus se dissoudre dans un universalisme qui vous exclut. Un universalisme qui vous dit « mon lieu propre et mon essence propre, c'est l'Europe », c'est un universalisme dont vous ne faites pas partie, par conséquent, il ne peut pas être cet universel vraiment universel dont parlait Immanuel Wallenstein. Et on voit à quel point ceci n'est pas de l'histoire ancienne. Ça se passait en 1956 peut-être, mais c'est la question à laquelle nous nous affrontons toujours aujourd'hui. Cette question de l'universel, est-ce que le postcolonial c'est une machine de guerre contre l'universel ou au contraire, est-ce que c'est une invitation à véritablement mettre en chantier un universel qui sera socialiste, qui sera un universel humain et qui sera donc un universel vraiment universel. Dans une situation où nous avons cette irruption des ethno-nationalismes, on aurait mauvaise presse à ne pas viser une condition commune et l'universel. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours tenir ferme l'universel, parce que l'émancipation est à ce point, est à ce prix. Nous en parlerons dans la discussion, j'aborde mon deuxième point. Et sur mon deuxième point, donc la nécessité de comprendre les origines du socialisme, qu'est cette insurrection éthique d'abord. J'invoquerai l'insistance des penseurs socialistes africains sur le socialisme comme un humanisme. L'un des aspects de leur pensée du socialisme comme humanisme étant l'accent qui est mis sur les écrits du soi-disant jeune Marx contre le vrai Marx. Je suis, dans mon parcours, je suis un des derniers étudiants probablement de Louis Althusser avant ce qui lui est arrivé. Et j'ai toujours suivi mon maître et mentor, Louis Althusser,
en pensant qu'il y avait une coupure épistémologique radicale entre les écrits du jeune Marx et les écrits de Marx d'après les manuscrits de 1844, l'idée qu'il y a une séparation radicale. J'étais jeune. Maintenant que j'ai les cheveux gris, je pense qu'il n'y a pas de séparation, mais une véritable continuité, et non seulement une véritable continuité. Est-ce que je parle trop vite pour la traduction? Non. Ça va. D'accord. Donc, je pense que non seulement il y a une continuité, mais que d'une certaine façon, le vrai Marx est dans le jeune Marx. C'est-à-dire, le Marx, au lieu de penser la scientificité de la plus-value que l'on extorque aux travailleurs, etc., a d'abord pensé l'aliénation dans sa jeunesse. L'idée que le socialisme, au bout du compte, se ramène très simplement à cette idée qu'il faut lutter contre toutes les formes d'aliénation, c'est-à-dire l'aliénation qui sépare le travailleur du produit de son travail, l'aliénation qui sépare les humains des autres humains et l'aliénation qui sépare un humain de sa propre humanité. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut comprendre le socialisme comme une insurrection éthique, on le comprend également ipso facto comme un humanisme. Et c'est sur cette idée d'humanisme que je vais terminer ce propos. Parce que, me semble-t-il, cet humanisme est l'autre nom de ce que j'essaye d'appeler ici l'insurrection socialiste. Je crois que ceux qui l'ont le mieux compris, ce sont, encore une fois, pour rester sur le continent africain, Nelson Mandela et Desmond Tutu. Lorsqu'ils ont compris que la construction de ce que l'on appelle la nation arc-en-ciel de la Nouvelle-Afrique du Sud devait être la même lutte pour la démocratie qu'ils avaient menée toute leur vie contre l'apartheid. Ce qu'ils ont compris, c'est que l'alternative étant une idéologie de tribus et d'humanité séparée au pluriel, d'une part, et d'autre part, ce que j'appellerais une politique d'humanité, signifiant à la fois que cette politique est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée. Ce qu'ils ont donc là poursuivi, c'est ce qu'on appelle l'humanisme de l'Ubuntu. Ubuntu, vous le savez maintenant, parce que grâce à Mandela et Desmond Tutu, ce concept est devenu un concept universel de justice transitionnelle. C'est un mot au départ, simplement, parce qu'il faut se souvenir qu'avant d'être des concepts, les mots sont d'abord des mots. C'est un mot simplement de la langue bantou, construit sur la racine muntu, qui signifie humain, et donc Ubuntu signifie être humain, devenir humain. J'ai tendance à penser que la meilleure traduction de ce mot, c'est faire humanité ensemble, comme étant la meilleure traduction possible. Et c'est précisément là l'idée sociale dans toute sa signification la plus pleine. Et d'ailleurs, Barack Obama ne s'y est pas trompé lorsqu'il a donné une conférence en Afrique du Sud pour le centenaire de la naissance de Madiba, de Mandela, le 17 juillet d'il y a un peu plus d'un an. Il a parlé d'une politique de notre humanité commune en insistant sur le fait que cela ne signifie pas l'abandon de nos identités, qu'elles soient nationales ou religieuses, mais en indiquant que cela est une tâche pour notre époque, celle de mettre en place les conditions de possibilité et les modalités d'une politique de notre humanité commune. Il s'agissait de rompre avec la politique des tribus et de l'ethnonationalisme, c'est-à-dire une idéologie qui transforme toute identité ethnique ou nationale ou religieuse en politique. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier ces identités, mais de refuser la logique qui voudrait que toute identité devienne une politique. Et ce n'est pas une autre politique qui est ainsi indiquée, mais l'autre de la politique, le contraire même de la politique, entendu comme la construction de la cité humaine. Le socialisme était, lorsqu'il était en connexion avec son idéal d'insurrection éthique, une telle politique de l'humanité, on le trouve chez un des ancêtres, comme Jean Jaurès, fondateur du Parti socialiste français et du journal auquel il a précisément donné le titre « L'humanité ». Et en disant cela, je pense à l'éditorial du tout premier numéro
qui présentait Le Quotidien, dans lequel il a défini le socialisme comme, je le cite, « la promesse des nations réconciliées se reconnaissant comme des lambeaux d'une humanité commune ». L'idée que notre humanité est en lambeaux et qu'il s'agit de la reconstituer en faisant que les nations soient réconciliées et que la réconciliation ait lieu également entre les nations, c'est la même chose au fond que le socialisme et c'est la même chose que Ubuntu. Et je crois que pour donner un dernier exemple illustrant cela, il est bon de rappeler le sens du mot fraternité. J'ai salué, pour ma part, comme beaucoup, comme sûrement tous ici, la décision qui a été prise il y a plusieurs mois par le Conseil constitutionnel français de dire qu'on ne pouvait pas condamner quelqu'un pour avoir accueilli ou aidé un migrant. Quelqu'un qui avait simplement fait son devoir humain, reconnu qu'entre les humains il y a d'abord une relation de fraternité, ne pouvait pas être puni pour cela. Si on ne le célébrait pas, au moins on ne le ou la mettrait pas en prison. Pourquoi est-ce que c'était important? Parce qu'en fait, la fraternité n'avait pas avant cela de signification politique. Quand vous dites que la devise française, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, vous pouvez en faire, vous pouvez transformer ça immédiatement en action politique. Je veux, j'exige la libération de nos camarades. Vous pouvez également, l'égalité, en faire un programme politique. Vous pouvez imaginer qu'un parti politique dise « je vais lutter contre les inégalités sont insupportables ». Mais comment faites-vous de la fraternité une politique? Eh bien, c'est le cas. C'est le cas lorsqu'une décision comme celle-là, une décision légale, dit « la fraternité, ça ne définit pas l'hexagone, vous ne pouvez pas tenir la fraternité à l'intérieur des frontières hexagonales. Si vous affirmez la fraternité, elle est forcément une politique d'humanité et non pas une politique française. » Et je crois que là, dans cette décision, il y a eu une illustration d'Ubuntu. Je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup. Mathias, ta réponse? Bien. Tout d'abord, bonsoir. Et permettez-moi de dire que c'est un très grand honneur que d'être ici. Alors, je n'ai pas du tout la chance d'être philosophe. Je suis uniquement écrivain et passionné par la littérature, la différence et les langues. Et donc, vous allez le voir, j'ai un peu, comme on dit en français, tirer la couverture à moi, et je n'ai pas répondu du tout sur le plan du socialisme, ce qui m'aurait été assez difficile, puisqu'à part étant socialiste moi-même, je n'aurais pas eu grand-chose à en dire sur le fond, mais plutôt sur le côté, un aspect un peu plus peut-être littéraire des choses. Donc, vous voudrez m'excuser si mon exposé n'est pas aussi brillant que celui de mon camarade. Mais puisqu'il a été question de socialisme africain et d'approche marxiste, avant d'en venir à l'espoir et à un possible Ubuntu pour le 21e siècle, j'aimerais revenir avant toute chose sur deux points qui, à moi, me paraissent extrêmement importants dans notre contexte post-postcolonial. Tout d'abord, une question liée au centre et à la périphérie, et au fait de voir comment non seulement le débat d'idées, mais aussi les projets politiques, économiques, environnementaux ou artistiques sont soumis à cette question complexe de la mondialisation, qui n'est pas vraiment mondiale, comme chacun sait. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de voir de quelle façon, depuis mon modeste point de vue, on pourrait essayer un Ubuntu pour le 21e siècle, et sur quoi, pour moi, est-ce qu'un possible renouveau d'humanisme, j'ai écrit dans des livres qui sont là, dans Boussole, par exemple, qu'on pourrait imaginer un nouvel orientalisme comme un humanisme. Bon,
j'aborderai ça peut-être dans une deuxième partie. Mais comme le professeur Diagne a fait référence à la pensée et aux intellectuels de la génération qu'on pourrait appeler la génération des indépendances, je commencerai moi-même par revenir sur une affaire déjà ancienne, mais je crois cruciale. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le syndrome de la gueule du loup ? La gueule du loup, c'est le nom que donne Kat Ebyasin à l'école coloniale, et par extension à sa langue d'adoption, le français. Donc Kat Ebyasin, je le présente parce qu'il n'est peut-être pas aussi connu en Allemagne, c'est un écrivain algérien, il est né en 1929, il est mort il y a presque exactement 30 ans, le 25 octobre 89. Et donc c'est vraiment la génération de la guerre et de l'indépendance. Il est né dans une famille berbère. Il est auteur, bien sûr, de prose, comme le roman qui s'appelle Nejma, un très très beau texte, mais parfois un peu, justement beau aussi, parce qu'il est parfois un peu obscur, très poétique, de la poésie et du théâtre en français et en dialecte algérien. Et il a aussi rencontré, par exemple, longuement Bertolt Brecht, quoi, je pense. Et donc j'ai pensé à lui aussi parce qu'on était ici, enfin bref. Ouais. Et puis parce que on fêtait bientôt les 30 ans de sa mort. Donc en 1966, dans ce très beau livre entre prose et poésie qui est Le Polygone étoilé, Kat Ebyasin écrit ceci quand il parle de cette gueule du loup, ce danger, cette aliénation qu'il ressent dès l'école. Il dit « Je n'ai jamais cessé, même au jour de succès près de l'institutrice, de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher, chaque fois un peu plus, au murmure du sang, au frémissement réprobateur d'une langue bannie, secrètement, d'un même accord, aussitôt brisé que conclu. » Et il y a cette conclusion horrible. « Ainsi avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inaliénables et pourtant aliénés. » Et donc, la situation de Kat Ebyasin, qui est celle de l'auteur colonisé, c'est l'impossibilité d'écrire autrement qu'en français, puisque c'est la langue de culture par laquelle il a reçu l'apprentissage de l'écrit, le savoir, tout ce qui fait, en fait, pour lui, l'apprentissage de la littérature, mais c'est en même temps forcément renoncer à une partie de lui-même. Et lui, il appelle cette part de la mère, qui est cette part de la langue maternelle. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que, bon, évidemment, la situation a bien changé depuis la période coloniale, mais je pense que cette gueule du loup, elle existe encore, même si elle s'est transformée. Vous voyez bien la métaphore, la gueule du loup, c'est quand on est dans quelque chose qui est extraordinairement dangereux, dans lequel on se met en danger de mort, mais on n'a pas le choix que d'y être. Voilà. C'est cette situation que décrit Kat Ebyasin. Donc la langue du colonisateur comme une aliénation avant tout intime de la langue. Bien évidemment, cette langue, et ça c'est l'objection immédiate qu'on peut faire à Kat Ebyasin, c'est qu'il n'y aurait pas ni Nejma, ni le Polygone étoilé s'il n'y avait pas le français. Il n'y aurait pas de communication possible dans des pays extraordinairement multilingues s'il n'y avait pas eu, par exemple, l'unification autour de l'anglais dans l'Empire des Indes, du français dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, ce sont la vision, on va dire, de l'utilité de linguistique vue depuis le colonisateur. Mais qu'est-ce qui me fait dire, moi, qu'aujourd'hui, on est toujours dans la gueule du loup? C'est que si vous êtes un écrivain africain, arabe d'Afrique du Nord, et si vous voulez parvenir, obéir ou réussir dans le marché international, vous êtes obligé de passer par le français. Vous êtes obligé de passer par Paris. Vous êtes obligé de passer par Londres, par New York, peut-être de moins en moins, mais encore
en tout cas c'est très vrai pour l'Afrique du Nord, de passer par l'approbation, on va dire, de l'édition parisienne. Qu'est-ce qui se passe? Que la langue arabe, encore aujourd'hui, est très peu traduite dans notre Europe. Et énormément d'auteurs qui ont la possibilité choisissent, si vraiment c'est un choix, d'écrire en tout cas en français aussi pour parvenir au plus grand nombre. Prenons un autre exemple qui est l'exemple universitaire. Aujourd'hui, toujours mon idée de cette gueule du loup. Aujourd'hui, si j'ai envie de me former, de participer le mieux possible à la mondialisation, il va sans doute falloir que je me mette dans la gueule du loup pour venir étudier à Berlin, à Paris, à Londres, à New York. Et ne pas le faire, ça signifie aussi, même si je fais le choix de rester dans mon pays, renoncer à une certaine forme justement d'appartenance à un monde globalisé. Je pense par ailleurs que l'Europe s'est mise elle-même dans une gueule du loup. Nous nous sommes enfermés, nous-mêmes, dans un refuge qui nous dévore. En nous refermant, en refermant l'Europe autour d'elle-même, en refermant les mâchoires de la gueule du loup sur nous-mêmes, en refusant autrui à l'intérieur de cette espèce de monde parfait que nous construisons chaque jour et que nous refermons plus chaque jour, nous empêchons justement à autrui d'y parvenir et donc à nous-mêmes de nous libérer. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce paradoxe de la gueule du loup? Comment retrouver une place pour l'utopie, pour un renouveau justement de cette situation héritée de la période coloniale? Bon, évidemment, vous pensez bien que si j'avais une solution, je la livrerais immédiatement, mais que ça ne va pas être le cas. En revanche, bien évidemment, au-delà des solutions qui sont extrêmement politiques et qui nous appartiennent à tous en tant que citoyens, de rechercher ensemble, de ce côté ou de l'autre de l'Europe, je pense que une de nos devoirs, ou en tout cas de nos moyens d'action quotidien, c'est de nous intéresser pour autrui, pour ce qui se passe au-delà de nos frontières et qui peut se passer tout autour de nous. Et j'ai nommé par exemple dans la lecture en traduction. Quand je disais tout à l'heure que l'orientalisme aurait pu être un humanisme, ça ne veut pas du tout dire que j'ai une passion pour l'expansion coloniale de l'Europe et de l'orientalisme qui va avec. Ça veut juste dire que les orientalistes ont aussi mis en circulation en Europe énormément de textes, de connaissances, de savoirs qui provenaient de l'Est, des pays, par exemple, de l'ancien Empire ottoman, de l'Iran, de l'Inde, des textes anciens et aussi des textes contemporains du moment où eux s'intéressaient à ces régions. Donc, bien sûr, ils ont été les instruments de la domination coloniale, mais ils ont aussi mis en circulation énormément de textes pour l'Europe, qui sont extrêmement importants pour nous aujourd'hui, qui ont donné lieu à des créations parmi les plus, ce qu'on considère nous comme étant les plus hautes créations de nos arts européens. Donc, retrouver ce désir-là, le désir d'autrui par la connaissance et la traduction, et ne pas rester enfermé sur nos cultures européennes, entre guillemets, c'est vraiment, je pense, déjà un premier point pour possiblement fonder un poursuivre un humanisme. Parce que l'humanisme, si je reprends ses débuts, finalement, c'est l'humanité, mais c'est l'humanité dans ses textes aussi. Et c'est là où je tire un peu la couverture à moi, comme je disais. Les humanistes de la Renaissance, qu'est-ce qu'ils redécouvrent? Ils redécouvrent des textes anciens. Comment est-ce qu'ils transforment leur vision de leur monde au moment où ils le pensent? Par la lecture, la connaissance et le savoir. C'est aussi ça, l'humanisme. Et aujourd'hui, et là je vais ouvrir peut-être une question encore plus complexe, finalement, faire humanité ensemble, est-ce qu'on n'oublie pas justement que
D'abord, jusqu'ici, on n'y a pas tellement réussi. Et est-ce que prendre acte de cet échec, ça ne veut pas dire tout simplement que non seulement on n'a pas su vraiment se considérer comme une humanité, mais qu'en plus, le rapport que nous avons avec le reste de la planète n'a jamais été vraiment envisagé. C'est-à-dire que l'humanisme oublie, en se centrant sur l'humain, que l'humain vit dans un milieu, dans une planète, un ensemble, qui aujourd'hui, à mon avis, se rappelle à notre bon souvenir à peu près tous les jours, hein, plus ou moins. Donc peut-être replacer l'humanisme ou l'humanité dans un contexte peut-être plus planétaire, tout en traduisant et en lisant et en écoutant un peu le monde autour de nous. Voilà les modestes solutions que je pose au problème qui nous est posé. Merci. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ja, bescheidene Lösung. Wir sind schon bei globalen, planetären Utopien. Da würde ich direkt mal weitermachen. Matthias Jenner hatte gerade darauf hingewiesen, wir sind in diesem Jahr 30 Jahre nach dem Mauerfall. Am 9. November werden wir das hier in Berlin begehen. In einer Zeit, die ich jetzt mal behaupten würde, These kommt jetzt, in der gar nicht so viele Zukunftsvisionen, positive, nach vorne gerichtete Utopien vielleicht angeboten werden. Darum machen wir diesen Abend, um heute so ein bisschen gemeinsam darüber zu diskutieren, hätte es denn, wenn wir in die Vergangenheit schauen, und da gucke ich erstmal in Richtung Süleyman Bashir Diagne, hätte es denn nach 89 eine Alternative zum westlichen Universalismus gegeben? Pardon. Je dirais que c'est justement après 1989 que l'universel va vraiment prendre conscience de soi. La chute du mur en 89, c'est la réunification évidemment de cette magnifique ville de Berlin que je découvre, c'est également la réunification du sens, c'est-à-dire que le sens qui avait été séparé par le mur, le sens du mot démocratie par exemple, on disait démocratie populaire et démocratie, alors de l'autre côté on appelait ça une démocratie bourgeoise. On avait l'impression que les mots n'avaient pas le même sens selon que vous étiez d'un côté ou de l'autre du mur. À partir de 89, les sens se réunifient. On entend aujourd'hui la même chose, peu ou prou, plus ou moins, sous le mot de démocratie. Maintenant, qu'en est-il, évidemment, de l'universel ? L'universel, il y a deux manières de dire qu'il y a une question de l'universel. Une manière que j'associe à certains philosophes, qui consiste à dire l'universel était là, aujourd'hui ce sont les post-coloniaux qui sont en train de remettre en question l'universel parce qu'ils introduisent du relativisme, ils introduisent une sorte de suspicion devant tous les concepts comme l'universalisme, alors que c'est pourtant évident, l'universalisme républicain c'est très clair, il faut de la laïcité, il faut de la démocratie, etc. Or ces post-coloniaux ne sont pas solubles dans la démocratie, d'abord ils sont trop musulmans pour cela. Là, c'est comme si l'universel était là à se promener tranquillement et qu'il est en train de subir l'assaut des ce qu'on appelle les post-coloniaux. Or, si on y réfléchit, l'universel n'a jamais eu lieu. L'universel qui était tranquillement assuré de lui-même, c'était un universel défini comme une verticalité qui se projetait sur l'Europe tout naturellement. Puisque je suis en Allemagne, je vais citer un philosophe allemand qui est Husserl. Husserl écrit dans la conférence sur la crise de l'humanité européenne en 1935 que, et alors à ce moment-là, le fascisme était présent évidemment un peu partout et il avait peur, il voyait que l'Europe était en train de se suicider.
et il voulait rappeler l'Europe à la conscience de soi, en disant il faut que l'Europe reprenne conscience d'elle-même, comprenne quel est son passé, quelle est sa tradition, quelle est sa philosophie. Et il disait dans cette conférence, les Indiens ont toutes les raisons du monde de s'européaniser autant qu'ils le peuvent. On n'est pas sûr qu'ils le puissent à 100%, parce qu'après tout, ils ne sont pas européens, mais il faut qu'ils puissent le faire autant qu'ils le peuvent. En revanche, dit Husserl, si l'Europe a véritablement conscience d'elle-même, elle n'a aucune raison de s'indianiser. Ça, c'était 1935, on pouvait dire, on comprend. Qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard? Conférence de Bandung. La conférence de Bandung, c'est véritablement l'irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. C'est une conférence où des Africains et des Asiatiques se réunissent sans l'Europe, alors que l'Europe, jusqu'ici, avait l'habitude de convoquer les réunions. Les réunions se faisaient autour de l'Europe, parce qu'effectivement, on avait un centre, une périphérie. Il fallait que la périphérie attende que le centre la convoque pour se présenter. Les gens se réunissent de manière totalement horizontale entre eux, sans passer par le centre. Cette configuration elle-même était déjà révolutionnaire, pour ne rien dire du contenu de la conférence de Bandung. C'est cette conférence qui est irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. Et jusqu'à présent, d'une certaine façon, nous n'avons pas digéré Bandung. Une autre réaction philosophique, cette fois-ci d'un Français qui est Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, on l'associe au fait qu'il est le penseur de l'autre, l'attention à l'autre, le visage de l'autre, l'autre qui me commande, qui exige de moi éthiquement que je l'assiste, que je l'aime, que je le respecte. Tout cela est parfait, sauf quand il se met à parler d'autres concrets qui sont les Africains et les Asiatiques. Ça, il ne supporte pas. Pourquoi ? Parce que précisément cette irruption du pluriel sur la scène de l'histoire, pour lui, signifie un monde désorienté. Je sais que le thème de notre rencontre aujourd'hui et celle à venir, c'est justement la manière dont l'ordre européen crée du désordre à l'extérieur. Là, c'est précisément la chose que dit Lévinas. Il dit le pluriel qui arrive, des cultures qui prétendent être toutes équivalentes, des langues qui prétendent être équivalentes à la langue impérial, le logos, ça fait désordre. Et jouant sur les mots, je ne sais pas si on peut faire le même jeu de mots en allemand, il dit qu'un tel monde est peut-être désoccidentalisé, mais il est également désorienté. S'il est désoccidentalisé, il est désorienté. Et donc, pour lui, effectivement, le pluriel est venu mettre en désordre total universel. Il y a une autre manière de penser. Ça consiste à dire, avant 1955, il n'y avait pas du tout d'universel. Et que maintenant, c'est notre tâche de faire advenir l'universel. Pourquoi il n'y avait pas du tout d'universel? Parce qu'une seule culture dans une seule langue ou dans un seul groupe de langues indo-européennes était censée dire ce qui était l'universel. L'exigence après 1955, c'est que nous disions tous ensemble l'universel. Prenons l'universalité des droits humains, à laquelle je crois, quant à moi. Mais vous avez des récits nationaux qui en font la propriété de l'un ou de l'autre. Est-ce que ça a commencé en 1776 chez les Américains? Est-ce que ça a commencé un peu plus tard, 1789, chez les Français? Je suis sûr que les Allemands ont une version de leur propre invention des droits humains. Eh bien non. S'il y a un moment où les droits humains sont devenus universels, c'est peut-être à la rigueur en 1948, quand ça a devenu une déclaration où les pays étaient présents et des pays non blancs, mais bruns ou plutôt noirs, étaient également présents. À ce moment-là, nous pouvons commencer à parler d'universel. De la même manière que nous pouvons maintenant parler d'universel, quand la COP21 réunie à Paris comprend que, et vous avez mille fois raison, Mathias, Ubuntu, faire humanité ensemble, ça suppose aussi l'humanisation de la Terre. Donc ne pas avoir cette espèce d'anthropocentrisme. Justement, à la COP21, quand il s'agit de l'environnement, la voix d'un petit pays comme les Bahamas, qui savent aujourd'hui ce que c'est que le changement climatique, vaut exactement le même poids qu'un grand pays comme le Canada ou l'Allemagne. À ce moment-là, se mettre ensemble, s'asseoir ensemble pour la COP21, ça donne sens à l'universel. À ce moment, on voit l'incarnation de l'universel quand toutes les voix humaines comptent, quand toutes les langues humaines traduisent les accords qui ont été les accords de Paris. Seule cette langue, ce dialecte un peu minoritaire que l'on appelle l'anglais de Donald Trump, manque aujourd'hui à l'appel.
mais après lui, on reconstituera l'universel. Matthias, wenn wir das in den heutigen Kontext oui, bien sûr, tout de suite, tu peux, tout de suite. Oui, mais pardon, ne débouche sur rien, malheureusement. En tout cas, et cet universel dont vous parlez, il est extraordinairement politique. Vous parlez de pays, c'est un niveau qui n'est pas celui de l'individu. On n'est pas dans un universel de l'intime, si j'ose dire. Et les voix, effectivement, elles se font entendre, mais ce sont celles de nations ou d'États. On est à des niveaux qui sont justement, moi je pense, pas ceux de l'Ubuntu, en fait. Enfin, pas tel que je l'imagine. Je disais une chose, encore une fois, Bandung débouche sur une chose très, très claire, qui est que c'est le commencement des indépendances. Ce n'est pas rien que les pays accèdent à la souveraineté internationale. Autrement dit, quand Nkrumah assiste en 1955 à la conférence de Bandung, en 1957, le Ghana est indépendant. Et la kyrielle des indépendances africaines va à ce moment-là suivre. Le FLN a essayé d'avoir une déclaration à Bandung. Il n'y a pas eu de déclaration à Bandung, mais il y a eu une espèce de soutien qui fait que le FLN a continué son combat qui avait commencé avec les enfants de la Toussaint, comme on les appelait. Encore une fois, Bandung, c'est le commencement des indépendances. Senghor dira de Bandung que c'est l'événement le plus important du XXe siècle. Vous avez bien entendu, le plus important. Il a pourtant connu la Première Guerre mondiale, il est né un peu avant. Il a été prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et il sait les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi dit-il que c'est l'événement le plus important, comme le manifeste du Parti communiste avait été l'événement le plus important du XIXe siècle? Parce que c'est un événement qui a posé un principe. On ne se rend pas compte, mais l'humanité ne s'était jamais réunie pour dire qu'aucune culture n'avait le droit d'en coloniser une autre sous quelque prétexte que ce soit. Jamais dans l'histoire, ça n'avait eu lieu. Il y avait eu évidemment ces grandes questions du droit des peuples à l'autodétermination. Ça n'était pas la même chose que de dire il n'y a aucune justification jamais pour la colonisation, c'est-à-dire que l'idée de mission civilisatrice est un non-sens total. Eh bien, Dom Bandung le dit, et ça, ça n'est pas rien. Donc, sur quoi est-ce que ça pouvait déboucher d'autre? Rien, en gros, que sur les indépendances. Mais ça débouchait également sur le fait que ça n'a l'air de rien, mais les Nations Unies existent et à ce moment-là, un certain nombre de pays vont arriver en masse dans les Nations Unies. Aujourd'hui, nous avons une crise du multilatéralisme. Il nous faut pourtant construire ce multilatéralisme. Cette gouvernance mondiale, pour parler encore utopie, cette gouvernance mondiale, il nous faut la construire parce que les défis que nous avons nous expliquent pourquoi il nous faut construire cette gouvernance mondiale. Vous pouviez toujours dire que la voix du Congo ne pèse rien. Mais le Congo abrite l'une des forêts les plus importantes, la deuxième forêt au monde après l'Amazonie. Ça veut dire que les forêts congolaises intéressent l'humanité dans son ensemble. Ça, c'est un poids du Congo. Nous nous rendons compte que les défis qui sont les nôtres, qui sont les défis globaux, demandent globalité, mondialisation et multilatéralisme. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire que tout cela, d'une certaine façon, c'est la conséquence également de Bandung. Maintenant, vous avez raison de dire que l'universel, ça n'est pas simplement des nations assises ensemble, quelque nombreuses qu'elles soient, il faut que ça se traduise également au niveau individuel. Je suis de ceux qui disent, je vous ai dit tout à l'heure en passant très vite, que je crois en l'universel des droits humains. Je sais que sur mon continent, il y a eu des résistances très fortes des nations, justement, des États-nations qui, après les indépendances, ont produit un certain nombre d'autocraties. Certaines modérées, d'autres moins modérées et d'autres complètement folles d'ailleurs, comme les autocraties Bokassa ou Mobutu. Et les sociétés civiles ne sont pas restées les bras croisés. Les sociétés civiles ont exigé pendant très longtemps la mise en place d'une charte africaine des droits humains, qu'ils ont obtenue au bout du compte. Après la grande vague de démocratisation, on a aujourd'hui en Afrique une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et des peuples a été rajouté au dernier moment.
parce que l'enjeu, la grande tension, c'était de dire que, ah oui, mais l'Afrique a sa propre philosophie, ça c'est le relativisme, a sa propre philosophie, les philosophies africaines sont des philosophies du collectif, donc les droits sont véritablement les droits du groupe, l'individu a surtout des devoirs vis-à-vis du groupe. Et vous avez eu des gens qui se sont battus contre cela au nom de ce qu'on appelle justement la philosophie africaine. Non pas en faisant appel à un universalisme français, mais en disant « ça n'est pas vrai ». Ça, c'est un stéréotype d'anthropologue et d'ethnologue pressé, et vous vous êtes empressé de répéter à votre propre sujet un discours qui était tenu sur vous. Vous avez parlé tout à l'heure de l'orientalisme. Je viens d'une université où nous baignons chaque jour sous la lumière que nous a laissée Edouard Saïd, pour ce qui concerne l'orientalisme. Et justement, cet africanisme qui était l'invention des ethnologues, le problème c'est que les Africains se l'ont incorporé. Or, vous examinez l'histoire des philosophies en Afrique, ça n'est pas vrai que l'individu n'a pas de droit. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça le travail, de la tâche de mettre à jour un universel qui ne préexiste pas à cette concertation. Les droits humains ne peuvent être portés véritablement que par les individus, parce que les droits humains sont faits justement pour que des individus puissent les opposer à la raison d'État ou à la raison de culture. Sinon, vous ne pouvez pas être un dissident culturel à l'intérieur de votre propre société, puisque si vous êtes un dissident culturel, vous êtes en faute. Et donc, vous ne pouvez pas jouir de vos droits. Tout cela pour essayer longuement de dire que ce sont, on peut les voir comme des conséquences lointaines de Bandung. Donc ma réponse, qui est déjà trop longue maintenant pour la raccourcir, c'est de dire que Bandung a été important immédiatement comme commencement des indépendances, et Bandung est toujours important à long terme parce que Bandung n'a pas fini de dérouler ses effets, selon moi. Ich komme nochmal zurück zu dem Ubuntu-Prinzip und dem afrikanischen Sozialismus. Ich komme nochmal zurück zu Ubuntu und dem afrikanischen Sozialismus und versuche jetzt nochmal da eine kritische Nachfrage zu stellen. Wir haben ja gleichzeitig die planetären und Zukunftsfragen gerade gestellt. Wenn ich mir jetzt die junge Generation in Südafrika anschaue, die sehr unzufrieden eigentlich mit diesem mandelischen Ansatz, weil es heute einfach eines der Gesellschaften ist, wo Reichtum und Armutsverhältnisse extremst ungerecht verteilt sind, wo das Prinzip von ich bin, weil du bist, das Prinzip von Solidarität, Versöhnung und all den humanitären Aspekten, die Sie erwähnt haben, eben so aus sich heraus vielleicht in der realen Lebenssituation doch nicht funktioniert hat. Nochmal meine Frage, auch im Blick auf die jungen Generationen. Wir haben COP21 angesprochen. Wir sehen, dass da draußen gerade eine internationale Bewegung, die nicht aus der Universität kommt, sondern aus der Schule kommt. Der Widerstand und Protest hat sich verlagert in den Schulraum. Wie ist denn das andockfähig, was wir hier gerade besprechen über eine Gemeinschaftsform, Gesellschaftsform, die auf diesen humanitären Werten basiert, die für diese Generation andockbar sind. Gerne die Frage an Sie beide. Non, ce qui est sûr, c'est que pour parler de l'Afrique du Sud en soi, au départ, bon, c'est certain que la situation actuelle, économique, culturelle, est absolument catastrophique. Mais néanmoins, je pense que ça n'a rien à voir, ça ne remet pas pour autant en cause le principe même de, justement, l'Ubuntu. Qu'est-ce qui fait que ce développement de l'État a été un échec? Justement parce que ce dont parlait Mandela c'est pas réalisé, c'est-à-dire que justement
Pourquoi ? Parce que sans transformer toutes les structures politiques, économiques d'un grand pays aussi divers, où il y a des territoires très différents, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ensuite, bien évidemment, il y a énormément de contextes, de choses qui jouent là-dedans. Donc, moi, je serais, je pense, le premier surpris si on m'avait dit, oui, du jour au lendemain, l'Afrique du Sud est devenue un État où justement la fraternité joue. C'est ça qui aurait été étonnant, pas tellement l'inverse, à mon avis. Mais peut-être parce que je suis pessimiste par nature, mais. Non, mais je crois, je suis d'accord, évidemment. On ne peut que faire le constat que l'Afrique du Sud traverse une très mauvaise passe. D'abord, ils se sont débarrassés d'un président qui était, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas véritablement l'héritier de Mandela. Et d'autre part, il y a juste quelques jours, on a vu des jeunes frustrés par la situation s'en prendre à des immigrés. Donc, ça veut dire que la fabrication de l'immigré comme bouc émissaire est une chose relativement universelle. Ça peut arriver partout, pas seulement en Europe ou en Amérique. Mais il faut séparer les choses. Quand Mandela fait inscrire dans la constitution sud-africaine ce concept d'Ubuntu, en disant qu'il s'agit de comprendre ce que signifie faire humanité ensemble. Faire en sorte que l'Afrique du Sud post-apartheid soit la dissolution des tribus. C'était, pour ne pas faire de la fin de l'apartheid, un cycle de vengeance, de vendetta qui va détruire le pays. L'idée d'une projection qui consiste à dire le sens de nos actions aujourd'hui doit nous venir non pas du passé terrible que nous avons vécu ensemble, mais du futur que nous voulons construire ensemble. Ça, c'est un principe de l'humanisme dont vous et moi avons parlé, et sur lequel nous sommes d'accord. Maintenant, qu'il y ait un problème de justice sociale, ça, c'est le socialisme qui s'en occupe. Autrement dit, l'Ubuntu, le fond d'humanité commune qui doit être notre visée universelle, cela suppose aussi de s'attaquer aux inégalités. Cela suppose aussi de refuser de mettre en avant un principe d'égalité. Et ça, c'est le socialisme. L'idée qu'au bout du compte, la réalisation ultime de l'Ubuntu présuppose une lutte effective contre les inégalités, on peut comprendre l'impatience de ces jeunes qui se disent « on a fini avec l'apartheid politique, mais il n'en reste pas moins que les richesses suivent tout naturellement la pente qui les mène vers une ethnie sud-africaine particulière et les laissés pour compte se trouvent tous être les Noirs et les Indiens et les Bruns, etc., etc. Donc, comme si tout continuait. Une action vigoureuse pour la réduction des inégalités, c'est un prolongement nécessaire de l'Ubuntu. C'est pour ça que dans mon propos, j'ai essayé de relier les deux en disant que le socialisme est un humanisme, mais l'humanisme ne se substitue pas à l'idéal socialiste. Warum ich nach der jungen Generation frage, wenn ich mir jetzt die Idee des Sozialismus in den europäischen Kontext übersetze und bei der Partie Socialiste in Frankreich bin, die derzeit nicht für die Zukunft spricht, zumindest was ihren Bestand und ihre Erfolge betrifft, wenn ich in die Sozialdemokratie nach Deutschland schaue, wenn ich in die verschiedenen europäischen Ländern schaue, wie ist der Stand der Sozialdemokratie derzeit und sehe, dass hier bei uns die letzten Wahlen vor zwei Wochen in zwei deutschen Bundesländern, dass die Jungen im Alter zwischen 18 und 26 am meisten die rechts,
extreme Partei gewählt haben und das Klientel über 55 die Sozialdemokratie gewählt haben, frage ich noch mal so nach, welche Utopien können wir anbieten, die auch, oder was heißt Utopien, welche, was sind derzeit die Argumente, die wir den Renationalisierungstendenzen, die wir überall gerade spüren, entgegensetzen können? Und wenn ich zum einen höre, wir könnten dem entgegensetzen die Werte der Aufklärung, aber gleichzeitig das Dilemma habe, dass die Aufklärung eben mit all den Nebenwidersprüchen und eigenen Dilemmatern und Postkolonialen verbunden ist, frage ich mich so ein bisschen, was ist gerade das, was man dem anbieten könnte, entgegensetzen könnte? Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr hier auf der Bühne die One-Million-Dollar-Frage löst, aber vielleicht können wir uns dem ein wenig annähern. J'imagine qu'il ne faut pas proposer d'élever le droit de vote à 55 ans. Ça, c'est une solution concrète. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Et peut-être d'abord comprendre pourquoi à cette période-ci, apparemment, les jeunes ne croient pas en la démocratie. Ça, c'est un point déjà important. Selon les sondages, la valeur de la démocratie n'est pas très haute dans l'opinion des plus jeunes. La seule chose, c'est qu'il faut espérer que c'est parce qu'ayant vécu, étant né, ayant grandi en démocratie, ils ont l'impression que c'est donné, que ça va de soi. Ils n'ont connu que cela, donc ils peuvent ne pas accorder de la valeur à quelque chose qui est là et qu'ils ont. Mais que ces jeunes-là puissent se reconnaître dans des opinions d'extrême droite comme cela, je crois que c'est davantage le signe d'une faiblesse très grande de l'idéal utopique que proposent les autres partis, plutôt que la nature de ce qui leur est proposé. C'est peut-être un peu naïf cela, mais les jeunes des générations, parce que tout le monde a été jeune, les jeunes des générations antérieures, au contraire, décidaient d'être plutôt du côté des forces de progrès. Ils étaient communistes, socialistes, trotskistes, ils se battaient pour voir s'il fallait plutôt être albanais ou maoïste, et pas du tout, ne regardaient pas du côté de l'extrême droite. Après, c'est quand ils avaient 55 ans qu'ils pouvaient devenir stupides. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils commencent par être stupides et qu'ensuite, c'est à 55 ans, ils commencent à être, ils le restent probablement. Il y a une chose, c'est que la droite et l'extrême droite ont réussi à un moment donné à imposer leur propre langage. Le discours qui est tenu, par exemple, par ces partis, c'est le discours sur les migrants, qui sont des migrants dont on a fait des boucs émissaires. Est-ce qu'il est sûr que les autres partis sur les migrants tiennent un discours véritablement contraire? On a vu les gens céder à ce langage-là, commencer à l'adopter eux-mêmes, en disant, bon, il ne faut pas quand même simplement être politiquement correct, etc. Mais si, il faut être politiquement correct. La correction en politique est quand même la première chose. Et puis, ne pas céder du terrain en disant, oui, je comprends que vous posez mal des problèmes réels. Non, vous ne posez pas mal des problèmes réels. Et sur ce plan-là, il me semble que si le discours qui fait face à ce discours de l'extrême droite n'est pas assuré de lui-même, les jeunes n'iront pas vers ce discours-là parce qu'ils le sentent bien, que ce discours n'est pas assuré de lui-même. Bon, vous pouvez avoir l'impression que c'est le problème de la poule et de l'œuf. Ce discours ne peut être assuré de lui-même que si le Parti socialiste français, par exemple, commence à avoir des double digits. Là, il doit être au fond de 6% ou quelque chose comme ça. 8, allez. Voire 8, voilà. Mais par ailleurs, c'est vrai effectivement que si vous regardez le discours du Parti socialiste qui a suivi sa dégringolade, ça a été un discours d'une certaine forme de débandade. Et je crois que ce que l'on dit, ce que l'on essaye de dire
dans le renouveau du socialisme, c'est précisément de faire en sorte que le langage que l'extrême droite et la droite ont imposé à un moment donné, qui est le langage de la culture et des guerres culturelles, en faisant jouer les élections sur des points qui n'étaient pas des points économiques. On voit les ouvriers, par exemple, les travailleurs voter contre eux-mêmes, contre leurs propres intérêts économiques, parce qu'ils vont voter sur des valeurs dites culturelles. Est-ce que les immigrés vont nous remplacer? Est-ce que l'islamisation de l'Europe est un problème? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et tout le monde se précipite sur ce discours-là. C'est devenu le discours ambiant. Je ne sais pas l'allemand, mais quand j'ouvre un journal, je suis sûr que si ce n'est pas à la page 1, je vais retrouver à la page 2 ces questions sur est-ce que l'islam est soluble dans la démocratie. Et on ne parle plus que de cela. Il faut dire que les islamistes aident beaucoup aussi la présence de ce discours, malheureusement. Mais nous ne parlons plus que de ces valeurs culturelles et non plus des fondamentaux du socialisme. Et nous ne faisons plus rêver. Il faut que nous fassions à nouveau rêver, mais rêver sur la base de la vérité, sur la base de la science, tenir les discours sur les chiffres pour ce qui est, par exemple, de l'immigration. Vous savez ceci mieux que moi, et peut-être que je dis une bêtise, je m'en excuse, mais il me semble avoir lu que le pari de Mme Merkel d'accueillir 1 million de réfugiés est l'un dans l'autre, au bout du compte, un pari gagné. Il me semble. Maintenant, si j'ai dit une bêtise, vous le savez mieux, mais c'est sur ce genre de choses qu'il faut s'exprimer et le dire clairement, ne pas le dire en reculant, ne pas le dire en s'excusant ou en disant ce n'est pas seulement pour être politiquement correct. On a un discours qui est un discours défensif et l'extrême droite a toujours manifesté qu'elle était particulièrement brutale. L'extrême droite, elle obtient tout ce que vous cédez en reculant. Regardez les gens d'extrême droite, c'est très curieux. Psychologiquement, par caractère, ils sont brutaux. Le langage de Bolsonaro est un langage ordurier. On a l'impression que l'extrême droite se caricature. Il faut être ordurier, il faut parler violemment, il faut manifester, déclarer qu'on est le plus grand, le plus ceci, le plus cela. Et ils parlent tous de cette voix-là. Et nous avons une voix, me semble-t-il, en face, un peu trop timide. Wolfsmaul. Ah, oui, c'est sûr, c'est une forme de gueule du loup. Non, moi, je connais un peu mieux ce qui se passe en France. Et ce qui est aussi terrifiant, c'est que finalement, la jeunesse qui vote. La jeunesse qui vote à l'extrême droite en France, beaucoup le font pour des raisons qui ont trait justement au socialisme, à des thèmes qu'on pourrait attribuer facilement au socialisme, qui sont justement la lutte contre le chômage, la désindustrialisation, toutes ces questions-là qui touchent notamment énormément le nord de la France. Comment se fait-il que ce ne soit pas les socialistes qui aient des réponses à ces questions-là? Il faut dire que l'histoire des socialistes français dans les dernières années est très liée à l'exercice du pouvoir, et on sait très bien que c'est une chose qu'on oublie quand on est au pouvoir, c'est justement l'utopie, hein, et les vrais discours politiques, et on s'intéresse bien plus à conserver ce qu'on peut de ce pouvoir. Et je pense que ça, c'est une des questions des socialistes français qui ont aussi été victimes de courants internes très forts pour dire c'est plié, c'est fini, le socialisme, il faut aller ailleurs, et aller où? Vers un centre droit qui était tout à fait prêt à les accueillir à ce moment-là. Donc il y a aussi des mécanismes politiques internes à un système électoral qui peuvent faire détruire complètement un parti, dans le cas du Parti Socialiste Français, en 7 ans. C'est quand même impressionnant. C'est un parti complètement détruit. Mais pas ses idées. Parce qu'il y a quand même des idées extrêmement intéressantes, encore dans les courants d'idées qui tournent autour de gens qui étaient, qui font encore partie du Parti Socialiste. Cette question qui
travaillent, les socialistes français, depuis maintenant 30 ans, qui est celle du travail, par exemple. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, que j'ai pu voter, donc au début des années 90, donc il y a quand même maintenant pas mal de temps, les socialistes français réfléchissaient à l'au-delà du travail. Puisqu'ils imaginaient déjà que on n'aurait plus besoin de travailler, en tout cas pas dans le sens où on pouvait le percevoir à l'époque. Et donc, c'était l'idée d'abandonner l'idée du travail, de dire non, il faut penser ce qui vient après. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme sans le travail? Et là, ils reprenaient justement toutes ces idées sartriennes de l'aliénation par le travail, mon corps est aliéné. Voilà. Ils se disaient, c'est très simple, on ne va plus travailler. Et donc, on va terminer. Et maintenant, et ça, ce sont des réflexions qui sont extrêmement fécondes, qui peuvent l'être en tout cas. Sauf qu'elles ont trouvé quand elles se sont transformées ou concrétisées en réponses politiques, elles ont été plutôt désastreuses. Puisque, effectivement, une société ne passe pas du jour au lendemain à l'au-delà du travail. Et maintenant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Benoît Hamon, par exemple, en France, pour ne pas cacher son nom, a beaucoup réfléchi et a proposé cette idée du revenu universel, par exemple. Qui sont des idées que maintenant les économistes comme Thomas Piketty ou d'autres transforment et réutilisent et cherchent justement à développer. Bien sûr, c'est peut-être une utopie que de penser le revenu universel, mais pourquoi ne pas justement y penser, hein, et retrouver justement le goût de la pensée politique, de l'imagination, et pas être en train tous les jours d'essayer d'éteindre des incendies électoraux comme c'est 90% de la politique actuelle. Voilà, je pense qu'il aurait pu au moins essayer de sauver les socialistes français. Nous ne souhaitons pas du tout ce destin-là aux socialistes allemands, bien sûr. Ich finde das extrem spannend, was du sagst, weil es ja ein konkreter Vorschlag auch ist. Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Situation meistens so, dass man von der Idee getrieben war, dass es der nächsten Generation besser gehen wird. Und viel war es ja auch der Fall, dass es der nächsten Generation besser ging. Das trifft ja auf die jetzige Generation nicht zu. Das Versprechen zu sagen, dass es meinen Kindern besser gehen wird, wird wahrscheinlich so nicht eintreffen. Aber jetzt machst du ja einen konkreten Vorschlag. Der Vorschlag, dass die kommenden Generationen vielleicht nicht arbeiten müssen, aufgrund der technischen Revolution. Oui, pourquoi pas, hein, mais c'est pas du tout, dans ma tête, c'est pas du tout une question de on va intéresser les jeunes en leur promettant qu'ils vont pas avoir besoin de travailler. La question est pas là. L'idée, c'est juste de se retrouver tout simplement, oui, le goût de l'utopie. C'est-à-dire, la pensée socialiste, quand on regarde et quand on lit les textes du 19e siècle, de justement le phalanstère, la vie en commun, comment est-ce qu'on peut transformer un monde, une société, la faire changer complètement. Bon. Évidemment, on n'habite plus dans des éléphants, ça n'a pas donné de fruits concrets sur le moment. Néanmoins, la pensée saint-simonienne, par exemple, quand on lit aujourd'hui les textes des saint-simoniens, c'est incroyable, il y a des projets là-dedans qui sont absolument extraordinaires, même si justement il leur manque peut-être une relation plus pragmatique, plus réaliste, on va dire, entre l'homme et la nature, par exemple. Bon. Ils pensent que l'homme peut tout faire. Bon, ils sont dans un autre moment historique, mais moi, c'est ça un peu qu'on a perdu aussi, hein. C'est le goût de l'expérimentation, de l'utopie, tout simplement d'imaginer des formes de vie, d'être concrètement tous les jours, et pas omnibilé par. Bon, évidemment, il faut s'intéresser. Aux chiffres, mais omnibulé par le fait, et c'est ça un peu que je reproche toujours aux socialistes français, de se dire, comme vous l'avez très bien dit, ah là là, à l'extrême droite, ils ont dit ça. Il faut absolument qu'on réagisse sur le sujet. Et alors, forcément, ça donne des choses qui sont généralement improvisées, mal faites, et qui vont exactement dans le sens. Parce que quelque chose est très vrai là-dedans. Dès qu'on commence
à rentrer dans ce type de discours. De toute façon, les gens d'extrême droite sont bien meilleurs. Comme disent les politiciens français, bon, ils le disent eux-mêmes, hein, il vaut mieux l'original que la copie. Bon, donc, à partir de là, bien évidemment, la bataille est un peu perdue d'avance. Bereiten Sie sich schon mal alle gleich vor. Ich würde gleich fürs Publikum öffnen. Aber bevor wir öffnen, gucke ich noch mal zu Professor Süleyman Bashir-Diagne. Vielleicht anschließend, ich weiß, Sie wollen direkt was dazu sagen, sehr gerne. Und anschließend vielleicht daran, in Matthias Inners Buch Kompass schenkt Sarah Franz einen Kompass. Und dieser Kompass guckt, egal wo Sie sind, immer in Richtung Osten. Glauben Sie, dass so ein Kompass mit links und rechts derzeit überhaupt noch funktioniert als Parameter, an denen man sich orientieren kann? D'abord, un petit point, quand vous parliez de ce revenu universel, vous savez que l'un des candidats démocrates américains le propose. Le candidat Yang dit qu'il est parfaitement possible de donner 1000 dollars à chacun comme revenu universel. Donc, cette idée est en train de trotter dans les têtes et on va probablement aller vers cette direction-là, surtout que la technologie s'y met aussi. Et qui va compliquer la relation que nous avons au travail. Gauche et droite, je pense effectivement que c'est une bonne orientation de nos options politiques. Il y a effectivement des gens qui se reconnaissent dans le conservatisme, il y a des gens qui se reconnaissent dans le progressisme. Ce qu'il faut peut-être remettre en question, c'est l'idée que ça soit des tribus et qu'il n'y ait pas la possibilité de s'entendre. Je crois qu'à la fois avoir un rapport clair sur des valeurs qui sont des valeurs de gauche, des valeurs de justice sociale sont des valeurs de gauche. Comprendre par exemple que dans le doublon égalité-liberté, les inégalités c'est insupportable. Vous avez un discours de droite qui vous dira que les inégalités c'est inévitable. Et d'ailleurs dans son dernier livre que je n'ai pas encore lu mais fait circuler les bonnes feuilles, Piketty dit bien que toutes les sociétés ont toujours eu des justifications idéologiques pour les inégalités qui existent là. Soit vous les justifiez de manière totalement brutale en disant que de toute façon, tous ceux qui sont pauvres ou tous ceux qui n'y arrivent pas, c'est leur faute parce que ce sont des losers. Ça, c'est le réflexe de droite. Quand on forme les militants de droite, on leur dit, chaque fois qu'il y a une catastrophe, dites que c'est la faute des pauvres. C'est un élément de langage qui marche bien. Bref, je m'amuse un peu, mais c'est vrai que les camps sont quand même relativement séparés sur un certain nombre de grands choix de société. Mais maintenant, s'entendre et aller vers le compromis, c'est une manière de construire ensemble cette humanité commune. Et je pense que la politique radicalement agonistique, où on pouvait même faire la politique du pire. Je vote pour le pire parce que ça va obliger les gens à avoir la révolution, etc. Le grand soir n'arrivera pas. Le grand bouleversement des sociétés, je ne crois pas que ça soit inscrit dans nos horizons. Mais une gauche assurée d'elle-même, assurée de ce que sont ses valeurs et des propositions qu'elle est en mesure de faire et qui s'opposerait à un parti conservateur raisonnable, qui ne soit pas dans la... évidemment de l'extrême droite et qui peuvent s'entendre sur un grand nombre de sujets qui nous obligent à nous entendre. Nous avons parlé tous de l'environnement. Vous avez indiqué que les élèves des écoles qui demandent en gros à la société des aînés de s'occuper de leur avenir en s'occupant de notre terre commune, et ils ne demandent pas des engagements de gauche ou de droite, ils demandent des engagements pour la terre, pour la planète
que nous partageons. Et donc là, il y a des raisons de s'entendre. Voilà un peu la manière dont je vois les choses. Une vraie gauche, une vraie droite, et avec une capacité à se mettre à la place de l'autre et à faire des compromis. Quelqu'un nous disait tout à l'heure cet après-midi, dans une conversation, que nous devons réapprendre le gris, et pas seulement le blanc ou le noir, et il a mille fois raison. Merci beaucoup. On n'a plus de temps, c'est pour ça que j'aimerais bien... Wir haben fast keine Zeit mehr, aber ich möchte gerne noch mal ein, zwei Fragen aus dem Publikum, würde Sie aber bitten, sich kurz zu fassen und Ihre Frage zu stellen. Wir haben ein Saalmikro, würde zwei Fragen zulassen. Eine haben wir hier vorne, eine hier. Gibt es noch andere Fragen? Ich will jetzt nicht nur zwei Männer. Na gut, wir fangen erstmal hier in der zweiten Reihe an, vielleicht kommt ja noch eine. Ja, vielen Dank für die visionäre Vortrag. Ich möchte noch mal auf die Frage von Ezra ein bisschen noch mal eingehen. Erstens, wenn es um das Wahlalter geht, dann würde ich sagen, die müsste im Grunde genommen gesenkt werden, weil das ist genau die Jugend, die Schülergeneration, die heute wirklich die Fragen dieses Universums noch ernst nimmt und auch die Erwachsenen und die Politikerinnen und Politiker vor sich hin treibt. Insofern, das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive. Aber was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wenn es um die Realität in Afrika geht. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen es ein bisschen getrennter sehen, das, was Ubuntu, die Vision von Ubuntu ist, und aber auch die Realpolitik. Und das lässt sich aber nicht getrennt sehen. Das ist das große Problem, was ich sehe, weil die Jugend Afrikas, die stimmt ja auch mit den Füßen, weil das Sterben, das Massensterben im Mittelmeer ist eine Antwort auf das Versagen der Eliten Afrikas, weil auch die Eliten Afrikas sind Afrikaner, also die kann man nicht getrennt sehen. Und egal welches System, welches sozialistische System in Afrika geherrscht hat, bis auf einzelne Ausnahmen, hat nur Elend und das Problem der antidemokratischen Strukturen vertieft. So, ich will jetzt den Kolonialismus nicht entschuldigen. Das ist, es gibt keine Alternative für den Antikolonialismus, das ist klar. Aber in Afrika hat der Sozialismus in allen Varianten mehr Ungleichheit und Massenflucht verursacht, was letztlich auch bis heute auch die Befreiungsfronten, die genau für diese Vision gekämpft haben, die ihre Jugend, die haben viel bezahlt, das ist keine Frage, aber wie viele Befreiungsfronten auch in Diktaturen geändert sind, das wissen wir. Ja, auch das Beispiel in Deutschland, das waren jetzt nicht eine Volksdemokratie gegen eine bürgerliche Demokratie, sondern das war eine bürgerliche Demokratie gegen eine Diktatur. Und also da müssen wir schauen, dass wir einfach bestimmte Systeme auch beim Namen nennen und dass sie sich dann einfach auch nicht von der Realität, die Vision von der Realität einfach getrennt sehen können. Vielen Dank. Ich sehe schon die Gefahr, dass wir hier nicht alle Fragen werden beantworten können. Ich sammle jetzt nochmal, damit wir zeitlich... Wir hatten hier in der ersten Reihe und dann die zwei Herren hier. Erstmal in der ersten Reihe, die Dame. Ich bin einfach geprägt, Sie merken das. Also die Frage war einfach nur, um das kurz zu fassen, ob der Kapitalismus nicht in dem universellen Zusammenkommen eine ziemlich zerstörerische Rolle spielt. Super kurz gefasst, das ist unser Beispiel.
Dann machen wir jetzt hier weiter. Der Herr, die Dame, der Herr. Ja, ich würde mich an Sie anschließen. Ist nicht diese Dichotomie koloniale Herrschaft und die Opfer der kolonialen Herrschaft zwischen Ländern eigentlich eine völlig falsche? Wir sind heute längst in einer anderen Zeit. Wir sind heute in einer Zeit, wo Eliten in verschiedenen Gesellschaften, in unserem eigenen Land, in Frankreich, aber auch in Afrika, sich nicht mehr ihrer eigenen Gesellschaft verbunden fühlen. Wo die Familie Wendel nicht mehr neben der Stahlindustrie wohnt, sondern es gibt einen Eigner, der in China sitzt oder in Hongkong und der dann über irgendein Steuerland sämtliche Einkünfte nicht mehr dem deutschen Staat oder dem französischen Staat oder dem afrikanischen Staat zuführt, sondern dieses Geld selbst behält. Und der darüber dann korrupt in die Gesellschaften eingreift, bei Wahlen, Wahlen finanziert in Amerika, Wahlen finanziert in Venezuela, Wahlen finanziert in Ungarn und auch selbst hier in Deutschland. Und Brexit hat wahrscheinlich auch solches Geld erhalten. Sind wir nicht in einer Zeit, wo wir schauen müssen, dass wir die Kohäsion in unseren Demokratien wieder so stärken, dass wir es schaffen, auch diese wild gewordenen Eliten, die sich nicht mehr dem eigenen Land verpflichtet fühlen, wieder einzusammeln und auf dieses Land zu verpflichten? Das ist eine Frage und das gilt auch übrigens für Afrika. Schauen Sie in den Kongo, weil es dafür Beziehungen zu Belgien gibt, wie dort die Rohstoffe ausgebeutet werden, das eigene Land nicht Geld hat, um die eigene Erziehung zu finanzieren. Vielen Dank. Die Dame in Rot, ich sehe Sie, Sie sind danach dran sofort. Ja, vielen Dank. Ich finde das Nachdenken über die Zukunft des Universalismus und des Humanismus sehr, sehr wichtig. Die Frage, die ich mir immer stelle, und ich würde auch sagen, sozusagen die Explosion der Differenzen und das sich verzetteln in Differenzen, das ist nicht der Weg, aber die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie kann man denn den Universalismus affirmieren und trotzdem auskunftsfähig und kommunikationsfähig über Differenzen bleiben? Also geht es nicht eigentlich um sozusagen eine Rekonfiguration des einen und des vielen, denn immer nur in dem Beharren auf dem einen hat man die Frage ja immer noch nicht gelöst, wie man dann Benachteiligungen, die es ja beispielsweise immer noch gibt, thematisiert. Nicht jede Thematisierung einer Benachteiligung ist sozusagen problematische Identitätspolitik, aber man kann das immer daraus machen und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, wie man den Universalismus denkt. Also solange das nur dieses eine ist, was dann wieder so etwas Totalitäres werden kann, dann wird es schwierig. Also haben Sie da Ideen zu, wie dieses Kommunizieren über Differenzen möglich ist? Der Herr hier und damit würden wir es jetzt auch, ich habe gesehen, hier waren noch ganz schön viele Hände, aber uns läuft leider die Zeit davon. Ja. Sie, bitte. Ich möchte nochmal anlässlich des Kompass den Blick nach Süden wenden und Matthias Ehrenahr hat so schön gesagt, das Interesse am Fremden wecken. Und da wir nun mit Professor Njagner jemanden unter uns haben, der dieses Interesse schon geweckt hat. Heute Abend möchte ich da noch ein bisschen nachfragen nach dem Begriff Ubuntu. Und zwar wäre es ja wunderbar, wenn es in Europa, in den USA, in den philosophischen, politisch-philosophischen Disziplinen eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Begriff gäbe. Und ich habe es eigentlich bisher so verstanden, dass in diesem Begriff sozusagen eine dritte Dimension auftritt, unabhängig vom reinen Individualismus und vom reinen Kollektivismus. Eine Dimension, Sie haben vorhin Herr Professor Djagne-Husserl zitiert, die vielleicht etwas damit zu tun hat, dass die Beziehung zwischen Zweien das Primäre ist und das andere sich daraus ableitet. Das zum einen und vielleicht in dem Zusammenhang, was nur am Rande gestreift wurde, die spirituelle Dimension des Sozialismus, die Sie auch angesprochen haben, dazu hätte ich gerne zu diesen beiden Punkten noch etwas mehr gehört. Danke. Ich propose qu'on commence avec Matthias, si vous êtes d'accord. Also entweder suchst du dir raus, auf welche Fragen du antwortest. Ich kann noch mal wiederholen. Nein, das war nicht mal. Non, je vais dire quelque chose à propos de cette question de la philosophie. Je vais juste
dire, puisqu'on est là surtout pour parler des problèmes, en fait. Et je viens d'une ville, Barcelone, qui est quand même une ville de ce qu'on appelle le premier monde, une ville riche, une ville avec beaucoup d'universités de premier niveau. J'ai eu la chance moi-même d'enseigner dans une de ces universités, et il n'y a plus d'étudiants en philosophie. C'est une crise très grave. Alors, on ne peut pas virer les profs, parce que la plupart sont fonctionnaires. Mais beaucoup n'arrivent pas du tout à donner leurs cours, parce qu'ils n'ont pas d'élèves. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas envie de penser, c'est juste parce qu'on ne fait rien dans nos sociétés en étudiant la philosophie, et surtout pas en Espagne, où il n'y a pas d'enseignement de la philosophie au lycée en tant que tel. Souvent, les professeurs qui enseignent la philosophie au lycée en Espagne, ce sont des professeurs de langue, d'espagnol, d'autres choses. Il n'y a pas un corps précis de professeurs de philosophie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Que être philosophe à Barcelone, il faut vraiment avoir beaucoup de mérite. Et je pense que c'est un peu peut-être... On ne devrait pas rire, parce que je pense que c'est ce qui nous attend un peu. Si on ne prête pas plus attention à la pensée, au débat, à la possibilité de construire justement des concepts, de s'intéresser à autrui, mais aussi de penser pour nous-mêmes, si on perd ces espaces-là, alors c'est vraiment les fondements de nos démocraties qui vont s'effondrer. Et ça, on est en train de le voir, parce que je ne pensais jamais réussir à voir ça de ma vie, mais c'est en train de se produire en Espagne. Donc, j'exagère un peu, mais c'est quelque chose qui est là. Et c'est très frappant. Et comment retrouver le goût de ça ? Ça veut dire vraiment une transformation radicale, pour que de nouveau des gens s'intéressent à la pensée, à la philosophie, à ce qui nous, évidemment, relie à l'histoire européenne de la pensée, mais aussi ce qui nous permet de nous intéresser aux autres. Et imaginez bien que s'il n'y a personne pour étudier Platon, bien évidemment, on ne va pas enseigner la philosophie africaine. D'autres choses qui ont aussi à voir avec la dimension spirituelle du socialisme. Bien sûr, ça demande aussi de la pensée, de l'université, de l'argent, du savoir. Et je pense qu'un des détours, des manœuvres du capitalisme, c'est justement savoir où orienter le savoir à travers les universités, notamment les universités privées. On sait comment l'argent, finalement, le monstre capitaliste, oriente le savoir vers ce qui l'intéresse. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un monsieur, je ne suis pas en train de vous faire une théorie de la conspiration, mais... je me rends compte de ça de plus en plus. Voilà. Et que, par exemple, en Espagne, enfin, je finis là, où c'est quand même un des grands points de contact entre l'Europe et le monde arabe, et ben c'est sans doute un des endroits où on s'intéresse le moins à la culture arabe, à la langue arabe, à la philosophie arabe. Ça dit quelque chose de nous, pas que des Espagnols, de nous, Européens. Je vous écoute, pardon. Vous choisissez quelles questions vous aimeriez répondre d'abord. Déjà une question sur la dimension spirituelle. Merci de l'avoir posée, parce que j'ai parlé de spiritualité sans donner aucun contenu à l'idée de spiritualité jusqu'ici. Et il n'est pas trop tard, grâce à vous. Je pensais encore une fois à Senghor, quand il disait, quand il réfléchissait à la relation entre le marxisme et l'humanisme, et qu'il pensait au jeune Marx, il disait: je sais bien que Marx a écrit contre la religion, mais tout ce qu'il dit contre la religion et les raisons qu'il oppose à la religion, c'est encore quelque chose qui relève de l'insurrection religieuse qui précisément a donné naissance à la religion. Autrement dit,
la colère de Marx contre la religion et la colère même d'où la religion est née. C'est-à-dire cette révolte éthique, pour lui, était spirituelle. Et il trouvait qu'il y avait une dimension quasi religieuse dans l'éthique du socialisme. On peut ne pas le suivre sur ce plan-là, parce que bon, Senghor était catholique, très catholique, et il avait effectivement, il appartenait à ce mouvement du catholicisme social qui s'est développé à un moment donné en France, où beaucoup de gens, précisément parce qu'ils étaient religieux et parce qu'ils étaient catholiques, estimaient que c'était leur devoir d'être socialiste sur ce plan-là. On peut ne pas aller jusque-là, mais je crois que dans toute la réflexion sur le renouveau du socialisme, le fait que des penseurs importants aujourd'hui se penchent sur la capacité de résistance, parce que c'est la capacité éthique du christianisme aussi, ou de la religion en général, est un signe qui ne trompe pas. Cette même recherche va dans cette direction, et je crois savoir qu'ici, dans le pays où je suis accueilli, je peux parler du cas Habermas, précisément, qu'on a vu pendant ces dernières années avoir prêté davantage, de plus en plus, d'attention à la religion et au rôle que la religion peut jouer dans l'espace public. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre ne serait-ce qu'un atome à la laïcité, mais comprendre en revanche que la dimension spirituelle du socialisme est importante. Alors, dans un pays comme le mien, évidemment, pour quelqu'un comme Senghor, c'était très important. Senghor estimait que les religions ne devaient pas être comme cela, confinées, enfermées, comme on enferme un diable dans sa boîte, dans les interactions purement privées. Il trouvait que la spiritualité religieuse était aussi une force d'éducation. Il entendait éducation au sens très général, de sortie de l'ignorance pour aller vers les lumières. Et il estimait qu'un christianisme véritablement spirituel, qui pour lui était identifié à la philosophie du père Teilhard de Chardin, devait pouvoir jouer un rôle dans le monde tel qu'il est. Et il estimait que sur le plan maintenant islamique, l'équivalent pour lui de Teilhard de Chardin, il l'appelait d'ailleurs le Teilhard musulman, c'était l'Indien Mohamed Iqbal. Bon, on n'a pas le temps de développer cela, mais voilà ce qui était la cohérence de Senghor, estimant que le faire humanité ensemble, cela devait aussi signifier que nous soyons en mesure, dans la séparation la plus totale de l'État et de la religion, de tirer parti de l'énergie de la religion. Rappelez-vous d'ailleurs le philosophe Bergson, qui est le père de la notion de société ouverte. Alors, société ouverte, on l'attribue à Popper, parce qu'aujourd'hui, c'est Popper qui était à la mode, et on identifie la société ouverte à Popper. D'ailleurs, son disciple Soros a l'impression que son maître Popper a inventé l'expression. Ce n'est pas lui, c'est les Français, Cocorico. C'est Bergson qui le premier parle de la société ouverte, en disant que les humains ont une espèce d'instinct tribal. L'instinct tribal est la chose la plus naturelle. Quand l'extrême droite, le père de l'extrême droite française récente, qui est Le Pen, père, pas les enfants ou la petite fille, dit « j'aime mieux mes filles que mes nièces que mes cousines que… » etc. C'est une manière pour lui de dire, au bout d'un certain temps, « je vous aime pas, vous qui ne ressemblez en rien à mes filles ou à mes nièces, etc. » Quand on sait qu'apparemment il n'aime plus très bien ses filles, on sent que son amour de l'humanité en général va faiblir. Alors justement, le plus intéressant, Bergson dit la même chose en disant que cet instinct tribal est naturel, est normal. Mais il dit justement que pour arriver à l'idée d'humanité, à l'idée d'Ubuntu, dans la traduction que j'en donne, il y faut autre chose que la simple expansion de la tribu. Ce n'est pas en gonflant la tribu, l'extendant, que vous allez arriver à l'humanité. Il faut, dit Bergson, sauter à pieds joints directement dans l'humanité. Et il se demande comment est-ce que c'est possible. Il dit deux sources possibles. La raison philosophique, qui m'enseigne qu'il y a une humanité, même si je ne la sens pas, je sens ce qui m'entoure,
mais l'humanité en général, c'est peut-être un concept vide. Mais dit-il, à part cette source, il y a la religion. Et il dit, la religion est infiniment plus efficace. La raison philosophique peut m'enseigner l'idée d'humanité, mais la religion me donne directement l'idée d'humanité parce que, dit-il, elle se répand comme un incendie. Une phrase comme « qui est mon prochain ?» et avoir le sentiment que mon prochain, ce n'est pas forcément mon proche, c'est-à-dire ma fille ou ma nièce ou ma cousine, etc. Ça, c'est la religion qui peut donner ce genre de force, d'énergie. Et on peut ne pas être religieux, mais au moins reconnaître la force spirituelle de cette idée d'humanité et d'une société ouverte qui serait une société qui va au-delà de ma tribu et qui embrasse le reste. Et au fond, cette idée présente chez nous tous. Rappelez-vous, au plus fort de la crise des réfugiés syriens, le bouleversement que ça a été pour tout le monde, la photo de cet enfant échoué sur une plage. Les gens se sont rendus compte, l'espace de quelques jours, que rien ne ressemble plus à un enfant qu'un autre enfant. Et le discours qui faisait du réfugié un autre absolu, il ne parle pas la même langue que moi, il n'est pas comme moi, il va apporter le désordre, il est d'une autre religion, etc. Ça a disparu quand on s'est rendu compte que le réfugié, ça voulait dire aussi un père qui, jusqu'au dernier moment, a essayé de tenir la main de son fils et qui, à un moment donné, a été obligé de lâcher et cet enfant s'est noyé. Tout le monde sait. Cette force d'identification, c'est la force de la religion. Il y a eu presque un moment religieux dans la contemplation de la photo de ce petit Ethan, je me souviens qu'il s'appelait Ethan, n'est-ce pas ? Et donc, sans aller jusqu'à la religion, je crois que c'est cette force, cette dimension spirituelle dont nous pouvons parler et qui cette fois-ci donne raison à Lévinas quand il parle du visage de l'autre qui s'impose à moi. Là, le philosophe français a profondément raison. Ethan, c'était l'incarnation même de ce que Lévinas dit à propos du visage de l'autre. Et vous avez raison aussi de dire que il faut éveiller l'intérêt à l'étranger. Et le faire dans la manière de repenser nos propres curricula. La dernière fois que je suis passé à Berlin très vite, c'était pour aller à Halle, et je donnais une conférence à l'université de Halle sur la décolonisation de l'histoire de la philosophie, ma discipline. L'histoire de la philosophie a subi à un moment donné un véritable nettoyage ethnique, quand il s'est agi de définir la philosophie comme le propre de l'Europe. Seule l'Europe pouvait avoir une pensée philosophique puisque c'était l'activité la plus élevée de l'humain. Donc il fallait que l'histoire de la philosophie ça soit un commencement grec pour qu'il n'y ait pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant les Grecs. On dit d'ailleurs les Grecs c'est un miracle. Ça c'est un miracle, c'est très pratique. Rien ne précède un miracle. Donc le miracle grec, puis une transmission aux héritiers normaux qui sont les médiévaux latins, puis la modernité, puis le caractère contemporain, etc. L'histoire de la philosophie devient une histoire strictement européenne qui explique la citation de Husserl que j'avais faite tout à l'heure, ou Heidegger disant que la philosophie parle naturellement grec ou allemand. Et c'est faux. Vous qui êtes justement un spécialiste de la tradition intellectuelle de l'islam, vous savez que la philosophie a suivi des tours et des détours qui ne sont pas seulement le trajet direct qui irait d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg. Ça n'est pas vrai. C'est aussi bien le trajet Athènes-Nishapur, Bagdad, Cordoue, Fès, Tombouctou, en plein cœur de l'Afrique, où avant la colonisation, bien avant que René Caillé mette les pieds à Tombouctou, on enseignait la logique d'Aristote. Ça, il faut l'enseigner. Il faut enseigner le décentrement. Encore une fois, j'ai parlé d'une politique de notre humanité commune. Pour que cette politique soit réelle, il faut qu'elle soit d'abord une pédagogie de notre humanité commune. Que nous enseignions les disciplines d'une manière qui ne soit pas une manière fermée, qui soit une manière ouverte. Que l'histoire de la philosophie mette en scène la discussion qu'il y a eu, par exemple, entre saint Thomas d'Aquin et Averroès. On essaye de lire saint Thomas d'Aquin tout seul. On oublie que saint Thomas d'Aquin, avant d'être saint Thomas, a été d'abord accusé d'hérésie par l'Église,
par l'archevêché de Paris. Et l'accusation, c'était qu'il suivait trop les philosophes, la philosophie d'Averroès. Donc la moindre des choses, c'est de connaître la philosophie d'Averroès. Donc enseigner saint Thomas en même temps qu'Averroès, enseigner Kant en même temps que Razali, enseigner... Bref, il y a des choses à faire, des choses très concrètes que chacun peut faire à son niveau. Je suis enseignant, j'enseigne l'histoire de la philosophie de telle sorte que j'apprenne à mes étudiants que l'humanisme n'est pas forcément simplement une invention de la Renaissance, laquelle Renaissance s'est abreuvée à l'éternelle source grecque et revenue chez les Grecs, mais que l'humanisme, ça a été également ce moment où un mot, Ubuntu, est devenu un concept, où on s'est mis à penser ce que cela pouvait signifier, être humain ensemble et dans la réciprocité. Professeur, je suis déjà Diagne, un peu trop long, donc je on vais... a un petit problème. Ah bon? On a encore 4 questions. Mais peut-être... Je m'en tiens à celle-là, ou je traite les autres comme une mitraillette. Qu'est-ce que vous suggérez? Peut-être vous choisissez encore une question et vous promettez à les 3 autres de discuter dehors avec un lot ou un vin. Politique d'identité, en sortir pour sortir de l'impasse de la communication, je choisis celle-là. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Nous risquons de mourir des politiques d'identité. Si on décide que moi seul peux parler de ce que cela veut dire, mon expérience d'être un homme noir, parce que, à part Bonaventure, personne ici n'est un homme noir, c'est fichu. Si je n'ai pas le sentiment qu'il y a une condition commune qui fait que je peux me mettre dans la peau de n'importe qui, si j'avais le bonheur d'être comme Mathias, capable d'écrire une œuvre de fiction, je devrais pouvoir me mettre dans la peau d'une grande femme élancée blonde aux yeux bleus et avoir le talent de le faire. C'est simplement une question de talent et pas de droit à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aussi aller contre ces politiques d'identité qui, même si elles sont à gauche, peuvent être meurtrières. J'ai choisi de m'en tenir à celle-là. Sie sehen an dem Applaus und dass wir 40 Minuten drüber sind und alle noch hier sitzen, dass es eine sehr, sehr spannende Diskussion war. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben trotz der Zeiten und die vielen Probleme, eigentlich, die wir diskutieren wollten, Sie erinnern sich an unser Vorgespräch, doch viel über eher die Zukunftsperspektiven und die Fragen, wie man dieses humanistische Konzept umsetzen kann, diskutiert. Dafür möchte ich Ihnen beiden sehr, sehr danken. Ich möchte unseren 2 Übersetzerinnen an dieser Stelle, die Sie alle nicht sehen können, weil sie hinter dieser Wand sind, Kerstin Elzner und Barbara Hahn, vielen Dank. Ja, und jetzt bleibt mir Ihnen, liebe Gäste, liebes Publikum, zu danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie so lange mit uns zusammen gelauscht haben, diskutiert haben. Für all diejenigen, die nicht zum ersten Mal bei den Berliner Korrespondenzen sind, Sie wissen, wir diskutieren in den nächsten Teil über andere Ordnungs- und Unordnungsmodelle, und zwar am 26. November das nächste Mal mit Herrn Morozov, dem weißrussischen Publizisten und Experten für politische und soziale Auswirkungen von Technik. Da werden wir diese ganze Thematik Überwachungstechnologie, Zukunft, Digitalisierung besprechen. Smarte neue Welt, digitale Technik und die Freiheit des Menschen heißt sein neues Buch. Dann kann ich auch noch was anderes ankündigen. Ach, das mache ich das nächste Mal. Ha! Dann kommen Sie nämlich am 26., da gibt es nämlich eine weitere Neuigkeit aus den Berliner Korrespondenzen anzukündigen, aber die mache ich am 26. Wenn Sie hier im Haus aber weiter über Utopien nachdenken wollen, am Maxim-Gorki-Theater, dann lässt ihn Shermin Langhoff ausrichten, hier auf einem wunderschönen Zettel, dass hier bald der Herbstsalon stattfindet. Ich kann nicht alles lesen, was auf diesem Herbstsalon stattfindet, aber hier wird das Patriarchat
abgeschafft zum Herbstsalon mit dem Titel Die Heimatheisit. Kommen Sie wieder ab dem 25. Oktober, Eintritt frei, und wir bespielen das gesamte Palais, dann müssen nicht nur die Marmorsaal, sondern auch die anderen Räume. So, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an alle unsere Partner, an Andreas Görgen, an Jan-Hendrik Olbertz, an, dass Sie gekommen sind, an meine Mitarbeiter, die das alles organisiert haben. Vielen Dank.